Je m'appelle Étienne Roudet, je suis le product manager d'Auctionity et aujourd'hui je vais vous présenter les membres de mon équipe. On fonctionne en mode Scrum, c'est-à-dire qu'on a plein de fonctionnalités qui arrivent pour le produit Auctionity. Donc elles peuvent arriver soit en interne, c'est des fonctionnalités que nous on veut mettre dans le produit, soit c'est des fonctionnalités qui arrivent de d'autres équipes d'Unrider ou même qui arrivent de l'extérieur sur des avis qu'on peut prendre à l'extérieur. Ensuite, une fois que j'ai choisi les fonctionnalités que je voulais mettre, je vais les découper en tâches qui vont être vraiment plus des tâches métiers, que je vais pouvoir assigner derrière à mon développeur front, mon développeur back, mon développeur blockchain, mon expert en sécurité. Voilà, je vais pouvoir vraiment dispatcher les tâches à chacun. Alban, lui, il est développeur back-end. Il va avoir en fait la responsabilité de gérer toute la couche de communication, on va dire, entre la chaîne et les interfaces web. Donc Flo, donc son titre officiel, c'est Lead Dev Front. C'est-à-dire qu'en fait, il va être chargé de tout ce qui va être web. C'est-à-dire que tout ce qui va être création du site web, donc que ce soit le site du Block Explorer, que ce soit le widget Auctionity. Mike, lui, il est développeur, il est dev blockchain du coup. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir la responsabilité de tout ce qui va être développement des smart contracts sur Ethereum par exemple. On a Camille aussi dans l'équipe, donc lui il est là pour filer un coup de main à Alban, donc lui il est développeur back-end. Et on a Daniela, qu'elle est là, elle, pour nous aider à être sûr, c'est-à-dire à prouver que toutes les propriétés de sécurité qu'on veut pour nos enchères, elles sont bien présentes dans notre code et dans notre chain.